Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 50 de Stage 1. Et oui, déjà 50, on y arrive déjà. Et nous allons jouer aujourd'hui à Tropico 4. Tropico 4 qui est un jeu de stratégie dans lequel on va développer un peu une ville. On est une sorte de dictateur. Vous allez voir, c'est spécial. On va améliorer leur vie. Donc je vous laisse la petite intro pour commencer. Oui, donc je disais dictateur, mais c'est pas vraiment un dictateur puisque c'est juste en fait du développement de cité, de ville. Donc là, on fait une petite nouvelle partie en mode histoire. Donc ils vont nous aider un peu au début et puis après ils nous balancent un peu. C'est démerdez-vous. Donc voilà, l'histoire c'est ça. Mais c'est mon misérable trou. Santa Clara est l'île des Caraïbes typique, magnifique d'apparence, mais rongée par la pauvreté. Les gens vivent dans des huttes et n'ont rien à manger. Pas de système de santé, pas d'éducation. Le chômage atteint en revanche des sommets. Un jour, j'ai fait de ces lieux une vraie puissance mondiale. Mais tout d'abord, améliorer les choses à Santa Clara me permettra d'obtenir le soutien local dont j'ai besoin pour me lancer. Donc voilà, alors, on va jouer. Allez, jouer. C'est parti. Donc on choisit le personnage qu'on va jouer. Donc qui c'est qu'on va prendre? Il y en a certains connus, certains que je connais pas. On va peut-être rester sur du Fidel Castro. Ouais, voilà, c'est parti. Donc, petite introduction. Regardez-nous. Regardez les plages. Regardez les palmiers. C'est ma patrie. C'est Tropico. C'est le paradis. C'est une petite île, pauvre et méconnue. Ah, il y a des grands plans pour elle. Des très grands plans. Ici, je vais bâtir une nation et un pays. Donc nous revoilà lâchés sur notre map. Bonjour. Donc c'est parti, ils vont nous aider étape par étape sur ce qu'il faut faire. Donc vous voyez les étapes, nourriture et tout ça. Allez, donc c'est parti, ok. Alors étape 1, nourriture. Donc il faut que je construise deux fermes pour nourrir votre population. Donc déjà, là on est au milieu de la flotte, alors c'est pas le meilleur endroit. Donc alors on va essayer de trouver là où on peut aller. Sur la terre déjà, est-ce qu'on peut aller plus vite? C'est bizarre qu'il nous ait mis sur l'eau quand même. Voilà, là ça a l'air d'être pas mal. Donc voilà, on clique droit pour avoir le menu et on va dire tiens, on va faire une ferme. Après il y a un système de cases, donc on la met là. On clique, alors je me suis trompé de clic, on clique dessus. Ah non, on va faire les deux. Oui, on clique dessus, je vais pas y arriver. On clique dessus, donc construction rapide, de toute façon il fallait faire deux fermes, donc c'est pour ça que j'étais dans le menu. Voilà, construction rapide, je sais pas pourquoi il faut cliquer dessus. J'ai jamais compris, ça se construit pas tout seul sinon, si vous faites pas ça. Ça se construit très lentement. J'ai pas tout compris. J'ai pas eu le temps d'attendre surtout. Donc alors, construire des fermes, donc ça c'est fait, nourriture, bien joué. Président, là, souvenez-vous, les gens apportent la nourriture, la population de Santa Clara augmente, vous allez devoir construire de... plus de fermes, donc voilà, il faudra construire des fermes au fur et à mesure qu'on augmente la population ou d'autres machins qui nous donnent à manger. Objectif atteint. Alors, ils vont peut-être nous dire autre chose. On va attendre hein, parce que, bah oui, on n'est pas pressé de toute façon. Nous, on fait une vidéo. Moi, je vous montre un peu comment on fait. Donc là, on a plusieurs trucs sympathiques. Donc ça, c'est les habitations. Hein. On fait quelques bidonvilles. Même s'ils nous demandent pas d'en faire, bon j'en fais.
Voilà, faut cliquer toujours construction rapide. Voilà. Les bidonvilles. Il y en a un qui s'est rempli, les deux autres sont vides. Population toujours 50. Alors, ils nous disent rien du tout là. Quel est mon objectif? Que dois-je faire pour continuer Alors voilà, vous avez nourri votre peuple, d'accord. Donc ça veut dire que on a attendu assez longtemps, donc on a mangé. Enfin, on leur a donné à manger, donc c'est bon. Donc maintenant, il faut construire une église. Et engager des prêtres. Alors on va construire une église. Où c'est qu'on va trouver une église? Une église. C'est dans quoi? Votre ville? Je ne sais pas. Ouais. Où c'est que ça peut être? Ici? Ah oui. Église. Donc voilà, on va mettre une église. Là, un peu en retrait quand même. Construction. Voilà, on a une petite église sympathique. Ouais, allez, fini. Alors, gérer. Donc là, voilà, on a des prêtres et on en engage deux. C'est bien ce qu'on disait. Oui, bien sûr. Tac, tac, tac. Donc, j'ai fait appel à deux prêtres. Donc, voilà. Là, il fallait en engager quatre. Donc, on avait deux qui étaient ici et deux qu'il faut faire venir de plus loin. Combien de temps ils vont mettre, je ne sais pas. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Visiter un peu, vous voyez quand même le décor et c'est assez bien fait. Même si j'aime pas trop ce style de gameplay, j'aime plutôt quand vous êtes sur du maître de l'Olympe. C'est pas totalement pareil. Après voilà, vous avez du Stronghold qui peut être sympa aussi. Mais là, les tropiques, le bâtiment, moi personnellement, j'aime pas trop. Après, je vais quand même couvrir un maximum de jeux sur l'émission Stage 1 pour vous déjà, pour vous faire découvrir. Il y en a beaucoup qui aiment ce genre de jeu. Sinon, ils n'existeraient pas. Donc voilà. Moi, j'espère que ça vous plaira quand même. Ça vous fera au moins découvrir ce que c'est. Donc, Tropico, voilà. C'est ça. On a nos bâtiments, nos villes. Enfin, la ville. On construit une véritable économie. Hein. Le but à long terme, c'est de... Voilà. C'est d'avoir une très grande ville, bien remplie. Tout plein de trucs. Vous voyez, il y a tout un tas de bâtiments. Bon, les prêtres, ils sont toujours pas là. Ah, il y en a un qui est arrivé. Il nous en manque encore un. Pile poil quand j'ai regardé. On pourrait rapidement s'embêter. Donc voilà, on va s'amuser avec la caméra. Parce que, alors il faut appuyer sur Alt et après on peut tourner. On peut tourner l'angle dans l'angle qu'on veut. C'est plutôt bien fait à ce niveau-là. C'est vrai que dans certains jeux, vous avez pas non plus une liberté assez énorme sur les mouvements comme ça. Vous avez quelques angles de vue fixés et puis voilà. Que là, vous pouvez vraiment regarder dans tous les sens que vous voulez. Zoomer, dézoomer. C'est vraiment bien foutu à ce niveau-là, au niveau de la 3D. Alors, est-ce que j'ai des prêtres? Non, toujours pas, toujours 3 sur 4. Penultimo, comment est la situation pour nous? C'est de la faute de Sony. Elle refuse de sortir avec moi, ça bloque la croissance. Oh, parfait alors. Demain à 8h? Hop là, on a entendu une discussion, je ne sais pas pourquoi. Donc l'ambiance est plutôt sympa, hein. Les oiseaux qui chantent, vous avez la petite musique... plutôt bah, tropical, hein. Le jeu s'appelle Tropico, j'ai envie de dire, on est au tropique. Là, je vais construire ça, hop. C'était conseillé, ils m'ont dit, ouais, on conseille ce bâtiment. Alors je me suis dit, tiens, je vais construire ça en attendant, même si je suis à court de pognon et qu'on m'en donne toutes les 3 secondes. Le petit vieux avec sa pipe, il me donne de l'argent. Alors santé, je ne suis pas très... Donc ça y est, j'ai tous mes prêtres maintenant, c'est la santé qui leur plaît pas. Il faudrait que je construise un bâtiment, un hôpital. Comment ça s'appelle? Une clinique, là, j'avais vu tout à l'heure. Alors, attendez. Voilà. Bien-être, non, je crois que c'est là-haut, bien-être. Clinique qui donne des soins. On va prendre ça, on va le mettre ici. On va le construire, même là, ça m'a encore coûté super cher. Construction rapide. Et on a une clinique. Bientôt. Voilà. Alors on a une clinique, il n'y a personne dedans. On va recruter des médecins, oui. Et voilà.
Pour l'instant, on va pas améliorer l'état de santé. De toute façon, on va pas aller plus loin pour ce jeu-là. On va pas trop s'attarder. Parce que là, ça pourrait durer très longtemps. Voilà, c'est pour au moins montrer le gameplay, les possibilités, la façon dont c'est foutu déjà. Ouais, donc là, il faudrait remonter la santé de 45 points. Je sais pas trop ce que c'est. Je pense que ça peut être très long. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un bâtiment qu'ils nous ont conseillé, même si on a plus d'argent. On peut construire donc là pour qu'il travaille, c'est une sorte de scierie, ça, c'est un atelier pour le bois. Ah, ça y est, on commence à voir les petits villageois un peu qui se promènent. Ça donne déjà un peu plus l'air vivant. Même si le temps passe beaucoup plus vite que ce que se déplacent les villageois. Le temps passe très vite normalement. Est-ce que je me souviens? Donc voilà, ce sera tout pour Tropico 4, un jeu de stratégie. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.